millions de tonnes exportées, ces entreprises ne contribuent même pas à 17% aux revenus de l'État. Pendant 15 ans, 20 ans, alors qu'on nous avait promis des dividendes pour la Gécamines, des impôts pour l'État pour nous reconstruire, rien n'est venu. Vous savez pourquoi? Parce que ces entreprises, elles ont pris nos gisements, elles sont allées les donner en garantie à des banques étrangères et elles ont emprunté. Au lieu d'amener des capitaux qu'on nous avait promis, c'est des prêts qu'on nous a amenés à des taux qui dépassaient 10% alors que nous savons qu'ils les avaient à 2 ou 3%. Dont les entreprises à qui on a donné les concessions sont allées gager les mines du Congo. Du Congo. Auprès des banques. Et ont emprunté alors qu'elles devaient amener des capitaux. Elles ont amené plutôt des prêts. Des prêts et à des taux d'intérêt. L'État ne peut rien contre ça. Qui sont ces entreprises? C'est TFM, c'est KCC, c'est Ruachi, c'est Sicomine. Toutes des entreprises, si pas occidentales, chinoises aussi désormais. Autorisation donnée par la présidente de la République, tenez-vous bien, la société américaine Alpha Mine, propriétaire de Bézi, à Wali-Calais, producteur d'étain et de cassitérite, nous a clairement dit qu'il n'acceptait pas que nous venions chez lui. Pas question de venir fouiller dans ses affaires. En plus, c'est lui qui possède l'aérodrome, le seul dans le coin. C'est dire la puissance de la firme. Il est sur son territoire et pour atterrir sur place, même l'autorisation de la présidence de la République ne suffit pas. Allez donc déterminer les quantités d'or et de coltan qu'il y produit. Allez donc savoir ce qu'il fait dans sa propriété, puisque l'autorité n'y a pas accès. La République démocratique du Congo a mis des gisements à la disposition de la Convention, des gisements dont la valeur est estimée à plus de 90 milliards de dollars américains. S'agissant de la constitution de la société Sicomine, le Congo n'a eu que 32% de parts, tandis que la partie chinoise s'est accaparée de 68% pour un capital sous-évalué de 100 millions de dollars. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, dans l'exploitation de cette convention, les entreprises chinoises ont eu déjà encaissé un gain évalué à près de 10 milliards de dollars américains, tandis que la République Democratic Republic of Congo. Abayekera ba M23 nga bwe twogerera batuuse dda mu kibuga Goma, enkumi n'enkumi z'abantu balabiseeko nga badduka ekibabu nga bafuluma ekibuga kino Goma, era ng'okulwanagana kwo kukyagenda maaso wakati w'abayekera bana ba M23 n'amagye aga FARDC. Kakati amawulire okuva mu Democratic Republic of Congo kigambibwa nti eggwanga lino lyawambibwa dda Abamerika n'Abafalansa, era kigambibwa nti abakulu bano ba creating a companies mugwanga lino elya DRC ne batandika okubanga be exportinga minerals ebyobugaga ebyomuttaka ebiri mu Democratic Republic of Congo. Wabula ekikwase nako kampani zino zasubiza eggwanga lino elya DRC okubanga ligenda bawa percentage. Wabula ekikwase nako kigambibwa nti ebyobugaga ate ebiva mu gwanga elya DRC bifulumizibwa ne bitwalibwa mu foreign banks mu mabanka g'ebweru, ate banki z'ebweru zo nezita yamba eggwanga lino lya DRC wabulanga ate babatwalira baba wa loan baba wola buguzi nga banansi bana ba DRC batekeddwa kubanga ate abasafaringa loans zino zabawebwa. Kakati amawulira gava mu Democratic Republic of Congo kigambibwa nti waliwo company ey'Abamerika emu eri mu kitundu ekimu nga awo we wali ekisaawe ky'ennyonyi, era omukulu oyo kigambibwa nti ye yekka akkirizibwa okubuusa ennyonyi mu kitundu ekyo nga mulimu gold n'ebyobugaga ebyenjawulo, era company y'omukulu oyo ye kampani yokka esobola okubuusa ennyonyi mu kitundu ekyo mwali. Omukulu oyo kigambibwa nti ye ayongedde okubba ebyobugaga by'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, era kampani eyo kigambibwa nti y'Abamerika, nga bannansi b'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo bakyagenda maaso n'okubanga babonaabona. Abasinga tebalina kyakulya olw'ensonga nti tebakyasobola kulima olw'entalo ezigenda maaso mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Kakati bannansi bongedde okulaga obusungu ng'olunaku olw'eggulo bannansi b'eggwanga erya DRC mu kibuga Kinshasa
bagenze maso no kubanga bekarakasa na dala maso ga embassy ya America, embassy ya Faransa ni embassy ya UK abanansi banonga bekarakasa bagambye nti bakoya abazungu bano bagala baddeyo babavire olwensonga nti bebaleete entalo zino mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo ngokulanagana kukyagenda maso na te bannansi nabo bongedde okwekyawa era balabiseeko nga bookya emmotoka za UN mu kibuga Kinshasa bannansi bana ba Democratic Republic of Congo bagamba nti bo banyigiriziddwa nnyo ekimala era abantu bano babonaabonye wabula kigambibwa nti basa zewo kubanga abe karakasa Eastern Democratic Republic of Congo kakati mu bitundu ebyenjawulo okuli mu Eastern DRC mu bitundu nga Ituri North Kivu province n'ebirala nga bayekera aba M23 nabo bakyagenda maso n'okubanga abalwanagana abayekera bana ba M23 baagala okuwamba ekibuga Goma era bano bagamba nti bajja kununula eggwanga erya DRC okuva mu mikono gya President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kakati President Felix Tshisekedi yabalabula n'agamba nti tebakwata ku kibuga Goma wabula bwe twogerera kenge wamanyi olw'ensonga nti President Felix Tshisekedi yagamba nti singa abayekera abantu bawamba ekibuga Goma ajja kola olulumba ku ggwanga erya Rwanda kakati nga bwe twogera obunkenke bukyali bw'amaanyi mu ggwanga lino erya DRC nga abayekera ba M23 batuuse dda mu kibuga Goma abayekera bana ba M23 weekend ewedde bawambye ekibuga ekya Shasha nga babadde baplaninga okulemesa abajasi abasadak abafadak okuyingira mu kibuga Goma nga singa bakiwamba balemesa abajasi bano okuyingira mu kibuga Goma nga ekubo lye bakozesa okuyingira ekibuga Goma lye kubo eriye ekibuga ekya Shasha kakati nga wetwogerera obunkenke bwo bukyali bw'amaanyi mu bitundu ebyenjawulo mu Eastern Democratic Republic of Congo. Stay tuned and don't forget to subscribe.